Diable angélique, s'abstenir. Vous êtes preneur? Mettez haut, mettez bas, à bas, coup de choc. Il pleut encore du soleil, couvre-toi et bois. Il, canicule, tu avances et moi je recule, comment veux-tu que je... Mettez haut, laisse tes bas, rejoins-moi en bas. Il fait chaud, je suis tes glaçons soleil. Viens. Découvre-toi, découvre-moi, plus nu que moi, y a pas. Laisse-toi, en avant, en arrière, je te bascule pour faire du ventilateur. C'est la canicule. Tu veux? Je veux. Envie de rimer canicule avec en? Encore, encore. Mais... Que fais-tu? Tu remets tes hauts? Remets tes bas? Et tu t'en vas? Quoi, t'aimes pas ça? Merci. Merci à vous, Jimmy, pour l'accompagnement. Actualité pour Bouji, donc il a un spectacle qui se joue actuellement à Paris, c'est au Théâtre à l'entrée. Théâtre Pixel. Voilà, Théâtre Pixel, et c'est un super beau spectacle qui s'appelle Adomania. Il a fait un petit bijou, c'est vraiment très beau. Moi je l'ai vu, ça m'a plu en tout cas, donc j'en parle. Voilà, alors j'accueille Rabat.
pour nous faire, donc Rabat, c'est notre chroniqueur. Voilà, il a du cœur, comme Rodrigo. Rodrigue, il ne s'appelle pas Rodrigue, il s'appelle Rabat. Voilà, Rabat, je vois. Vous l'avez jamais fait, c'est vrai. On t'appelle Rabat, jour. Collection, mais... D'accord, c'est là que tu l'avais pas. On fera un numéro la prochaine fois. Bon, alors, voilà, je te laisse le mot du chroniqueur. Alors, normalement, je passe à la fin. Alors, je suis un peu... J'ai rien à dire maintenant. Rien à dire. En fait, je voulais juste vous souhaiter à tous la bienvenue. C'est un réel de bonheur de trouver une assemblée aussi pleine, aussi chargée. Et une assemblée de saltimbanques, rimailleurs, chanteurs, danseurs et autres artistes. Amateurs et passionnés, nous allons déguster la saveur et la fleur de vos cœurs. Je ne voulais pas rater mon entrée. En fait, je viens de l'aéroport. T'as failli. J'ai accompagné ma belle-mère. On a raté l'avion hier. Et aujourd'hui, on est arrivé, mais vraiment pile poil. Voilà. Et donc, moi, ce que j'aime au Café Bavard, c'est le côté un peu champêtre et cabaret en même temps. Champêtre, car je cueille votre sel, déguste votre nectar et croque votre art. Les esquisses. Attends, on va dire. C'est beau. Mais si, quand tu lances du nectar comme ça, on a applaudis encore. C'est pour la rime, hein. Ouais, le nectar. Merci. Bon, et j'en perds le fil de mon texte. Le comment dit chez alors, les esquisses sont fines et ne tiennent qu'à un fil, un zad. Ah oui, traduction, un zad, c'est le chevet, voilà. En berbère. Voilà. Un zad, c'était un peu pour faire une petite apparition à Azad, c'est ça? Ah oui, notre voilà. Invité. Alors, ce sont donc des voix, des jeux, du texte, de l'intelligence, et vous êtes tout cela en même temps. Merci, et que la séance commence. Alors, c'est pas la première fois qu'elle vient. Je sais pas si elle est dans la thématique. Je pense. Elle est dans la thématique. Alors, à toi. L'intrus, il est là, tapis dans le secret des corps. Il se nourrit de leur vitalité, avide de conquérir de nouveaux territoires, sans cesse à la recherche de nouvelles proies. Le ciel est bleu en ce début d'automne 1918 et la température agréable. Petit à petit, la vie reprend dans ce village des Ardennes. Chaque famille attend le retour de ses poilus. Sur la place du village, Hubert, le garde champêtre, vient d'apposer une affiche conviant la population au traditionnel banquet de la Saint-Bavon, le premier dimanche d'octobre. Coutume interrompue par les années de guerre. Et afin d'honorer nos valeureux combattants, est-il précisé. « Qui t'invite à notre table, Hubert ?» demande sa femme. « Le maréchal Ferrand et son épouse, le sabotier, le curé et le sacristain. Et on est hélas toujours sans nouvelles de Jules, son neveu. Sont arrivées de la ville des nouvelles inquiétantes, relayées par le journal. On parle de nombreux décès qui n'auraient rien à voir avec la guerre. L'intrus qui se cache dans le secret des corps se réjouit et prospère. Le jour de la Saint-Bavon, la foule endimanchée se presse sous la halle et chacun finit par trouver sa place. À la table du garde champêtre, la discussion va bon train. On ouvre son couteau, on déplie sa serviette. Les narines frémissent quand arrive une terrine de sanglier au cep. Soudain, des « ouh » attirent l'attention de la tablée. Un grand escogriffe agite ses bras. Le sacristain bondit de son siège en criant « C'est mon neveu !» Silence sous la halle.
puis des acclamations de bienvenue éclatent de table en table. Jules prend place à côté de son oncle. Les conversations ont repris. Il ne répond pas aux questions. Toute cette affection l'embarrasse. Soucieux, le sacristain pose la main sur le bras de son neveu. « Ça va ?» Il lui répond « Je n'ai plus l'habitude. » Le jeune homme se laisse porter par la liesse générale. La tête lui tourne un peu. Il est comme dans un brouillard. Ce doit être l'émotion de son retour. Et il se sent si fatigué. L'intrus prospère dans le secret des corps. Son oncle le ramène chez lui. Jules se couche et s'endort immédiatement. Dans la nuit, il se réveille, trempé de sueur. Pourtant, ses cauchemars ne sont pas revenus. Il grelotte. Deux jours après, malgré les soins attentifs, il meurt. L'intrus a déjà colonisé d'autres corps et sa progression est fulgurante, exponentielle. On l'a nommé grippe espagnole. Tu as écrit ? Oui, oui. Toujours pas de... Toujours pas. 30 secondes. Là. Là. Anne, je m'entends. Elle est dans la première partie. Elle est là, Anne ? Oui. Super. Je crois qu'elle est conteuse. Je suis sûr même. Elle a forcément un compte, tu l'es pas. Je sais pas si j'ai un compte sur le thème, l'éventuel thème du secret. Donc je suis. Merci d'être là pour écouter ce que je n'ai jamais dit à personne, car un secret ne se révèle pas. Ou à une seule personne, à la fois. Non. Écoutez bien ce que l'on croit. Écoutez bien ce que l'on dit et ce qui est vrai. Ceci s'est passé sur une île. Les habitants de Tsushima s'en souviennent encore aujourd'hui. Un fils, au petit matin, face à son père, est en train de boire le thé. En silence. Soudain, il se relève et dit « Père, j'ai fait un rêve. » « Ah bon ?» lui dit le père, « tu as fait un rêve, raconte-le-moi. »« Ah non, je te le raconterai. »« Raconte-moi ton rêve, tu me dis que tu as fait un rêve, tu me le racontes. »« Ah non, 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 c'est un... Non, non, je te le raconterai pas. »« Tu vas me le raconter, oui ou non, ton rêve ?» Le père, en colère, prend un bambou et va frapper son fils qui se lève et sort de la maison. Et le fils court, 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 et le père lui court après. « Tu vas me le raconter, oui ou non, ton rêve ?»« Non, je te le raconterai pas. » Et les voilà tous deux qui courent, 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 mais le père étant plus âgé que le fils, il est fatigué, il rentre chez lui. Mais le fils court, court, court. Il court, il traverse la grande forêt. Il court encore, et il arrive enfin dans une petite clairière. Là, il y a une vieille maison. Il semble abandonné, il pousse la porte. Et il voit une vieille femme qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Qu'est-ce que je fais là, en fait ? J'ai fait un rêve. Et mon père a voulu que je lui raconte, je n'ai pas voulu. Il m'a menacé, j'ai couru, couru, couru. Et me voilà chez moi. Ah, tu as fait un rêve. Raconte-le-moi. » Ah, non, je lui raconterai. Raconte-moi ton rêve, dit la vieille. Si tu me le racontes, je te donnerai un éventail. Et avec cet éventail, tu pourras aller où tu voudras. Raconte-moi ton rêve. D'accord, dit le jeune homme. L'éventail d'abord. La vieille lui donne l'éventail. Et le jeune homme ouvre l'éventail. Ses pieds se soulèvent du sol. Il sort par la porte qui reste ouverte et le voilà qui vole. Qui vole, qui vole, qui vole. Il voit son père qui s'en va. Raconte-moi ton rêve.
La petite vieille, hé, voilà mon taille. C'est quoi ton rêve? Il vole au-dessus des océans. Voilà, encore. Au bout de longs jours. Et voilà, au milieu de l'océan, une petite île. Il s'assoit sur lui. Soudain, il entend. Qu'est-ce que tu fais là? C'était pas une île, c'était une baleine. Oh, qu'est-ce que je fais là? Pardon, baleine, je croyais que vous étiez une île. En fait, j'ai fait un rêve, mon père a voulu le connaître, j'ai pas voulu lui raconter. Il m'a menacé, j'ai couru, je suis arrivée chez une vieille dame qui m'a donné un éventail et j'ai volé, et me voilà sur ton dos, baleine. Oh, tu as fait un rêve. Ah non, ça, je te le raconterai pas, baleine. Si tu me le racontes, je te donnerai deux lunes. L'une est en or, l'autre en argent. L'une des deux tue, l'autre donne la vie. Allez, raconte-moi ton rêve. D'accord, dit le jeune homme, les aiguilles d'abord. Il prend les aiguilles et ouvre l'éventail. Et le voilà qui vole. Qui vole au-dessus des océans. Traverse les nuages et les arcs-en-ciel. Il vole. Il arrive au-dessus d'une petite ville et là il voit les cheminées, les toits des maisons, les murs, les portes, les poignées de porte, un petit par des bancs. Pouf, le voilà assis sur un banc. Et là il y a beaucoup de gens devant lui. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous? Vous ne dites rien? Ben, vous êtes bien silencieux. Alors une des personnes lui dit, oui, c'est que nous sommes un peu tristes car la fille du gouverneur est très très malade. Personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu la soigner et elle va mourir. Ah, dit le jeune homme, peut-être que je peux quelque chose pour elle. Tu peux quelque chose pour elle? Viens, nous allons t'amener chez le gouverneur. Et alors, le voilà qui court avec toute une file de gens là. Et gouverneur, il y a là un jeune homme qui peut-être peut guérir votre fille. Le gouverneur ouvre la porte. C'est toi, jeune homme? Oui, c'est moi. Eh bien, viens, suis-moi, tu es mon dernier espoir. Les voilà tous deux qui montent les escaliers en colimaçon. Et le gouverneur dit, tu es mon dernier espoir, passe la porte. Le jeune homme passe la porte et la referme. Et il voit là, sur le tapis, une très belle jeune fille. Mais elle est pâle comme la lune, toute flétrie comme une fleur sans eau. Il la regarde longtemps et son cœur se met à battre. Et il prend une des deux aiguilles. Tu sais laquelle, Moussa? En or ou en argent? On a pour prendre sa responsabilité. Allez, en argent. En argent. Il attrape la cheville de la jeune fille, prend l'aiguille d'argent. Pip! Ah, dit la jeune fille, ah, oh, j'ai bien dormi. Et la voilà qui reprend toutes ses couleurs. Ah, le cœur s'embrase. Ils restent là, tous deux, derrière le gouverneur, derrière la porte. Oh! Vous pouvez imaginer tout ce qu'il a vu ou pas vu. Il est fou de joie. Sa fille est bel et bien vivante en train de rire. Il va à toutes les portes et fenêtres du palais. Ma fille est guérie! Ma fille est guérie! Ma fille est guérie! Ce soir, j'organise un grand repas. Tout le monde est invité. Imaginez la fête. Si j'avais plus de 5 minutes, je dirais tout ce qu'il y avait sur les tables et la musique et tout ça. Et donc tout le monde est invité au repas. Il y a des mets fabuleux. Le gouverneur voit que le jeune garçon et sa fille ne cessent de se regarder. Ils ont oublié de manger. Des fois, quand on est amoureux, on mange beaucoup. Des fois, on n'a pas faim du tout. Là, ils ne mangeaient pas, ils ne cessaient de se regarder. Au moment du dessert, le gouverneur regarde le jeune homme et dit, je sens que ma fille t'aime déjà. J'aimerais bien te la donner en mariage. Mais dis-moi, de mon émotion, j'ai oublié de te demander, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là, en fait? J'ai fait un rêve, mon père a voulu le connaître, je n'ai pas voulu le raconter, il m'a poursuivi, je suis arrivée chez une sorcière qui m'a donné un éventail magique. J'ai volé, je me suis retrouvée sur le dos d'une baleine qui m'a donné une aiguille, deux aiguilles, et l'une des deux a guéri votre fille. Voilà. Oh, tu as fait un rêve.
Est-ce que tu peux me le dire, ton rêve? Mon rêve, monsieur. En fait, je viens de vous le raconter. C'est à toi, Ginevra. Alors, Ginevra, c'est la poétesse du Café Bavard, un incontournable. Elle était là depuis le début, n'est-ce pas? Incontournable. Voilà. Bravo! Merci, Ginevra. Je ne vais pas en faire le tour, hein, non? D'esprit, on n'a jamais fait le tour de toutes tes œuvres. Voilà. Donc il y en a beaucoup. pas d'esprit, des œuvres. Bon, eh bien, je ne peux vous dire. Il y a longtemps que je l'ai écrit. Rêve perdu et retrouvé. Je voulais chanter l'opéra. Je rêvais d'être cantatrice. Je m'imaginais, on dira, à la fois chanteuse et actrice. Ou peut-être bien avocat. J'ai un petit côté retors. Plaidant la cause délicate d'un coupable, on change son sort. Mais de ça me tentait assez. Grand professeur, pas assistante. On peut maîtriser la santé, la profession est gratifiante. Mais la vie souvent bouleverse nos rêves d'un geste brutal. Et j'œuvrais dans le commerce. Ah, tout de même, international. Lorsque carrière terminée, j'aurais pu décider enfin mes chances étaient envolées d'être avocat ou médecin. Quant à devenir cantatrice, j'y ai renoncé tout de go. Un jour, cédant à un caprice, j'ai pris papier blanc et stylo et entrepris la tâche folle faite par tant d'autres déjà, placer des mots en farandole et voir ce qu'il en adviendra. J'ai depuis tracé tant de lignes que le temps passe sans peser. De plus, j'ai eu l'idée maligne d'écrire, mais aussi déclamer. Revenant à mon ancien rêve d'être chanteuse ou avocat, dans un registre plus modeste, je vous fais entendre ma voix. Tout à l'heure, c'est la conteuse qui nous a fait le bruit du vent. C'était joliment fait. Le vent était à ma fenêtre. Il disait... Je suis un pauvre être là de courir les horizons et je voudrais une maison où reposer mon corps perclus, mais je ne l'espère déjà plus, car je suis tout mouillé de pluie et nul ne veut m'ouvrir son nuit. Le chat miaulait au même instant dehors, dans la pluie et le vent. Alors j'ai entrouvert la porte. Très peu. Je voulais faire en sorte que le chat se fût abrité. Mais sans que je l'aie invité, le vent est entré sans un bruit avant que je referme lui. Pour excuser son intrusion, il a chantonné des chansons, murmuré des contes antiques, dit des histoires fantastiques. Puis il a dit, prends un crayon, et lorsque nous discuterons, tu pourras noter quelquefois. Ainsi, j'écris depuis des mois. Un jour, le soleil du printemps a réveillé bêtes et gens, et le vent a dit, je m'en vais, ouvre la porte s'il te plaît. Il était philosophe et sage. J'ai enregistré dans ses pages des contes et des dictons, des proverbes et des chansons venues de loin ou d'un côté.
cet étrange et pauvre, ce vent, m'a laissé plus riche qu'avant, mais d'une monnaie impalpable que ne connaît pas le grand arbre et dont nous avons tant besoin, la connaissance du prochain. Wow. Il a mis de l'alcool dans mon chocolat. C'est pour ça que je suis bon. Alors. Mireille Legendre. Je ne sais pas si elle est là. Elle profite du soleil qui est dehors. Je ne l'ai pas vue, donc elle a dû filer comme vent. Nalou Ouna Jacob. Alors, c'est un conteur africain, je ne le vois pas non plus. Il est à manifester. Oui, je sais qu'il y a Mélenchon qui a... J'ai deux personnes qui devaient se dire et qui m'ont téléphoné. Mélenchon, pas tout. Ben là, il est là, il est toujours là, toujours présent. Il est toujours là, c'est qui à votre avis? C'est Manuel Emmanuel Kahn. Il est là. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire partager les textes de mon poète préféré qui s'appelle Francis Blanche. Le petit garçon et le soufflet. Le petit garçon s'ennuyait, et chacun sait qu'à cet âge-là, et même à d'autres, s'ennuyer veut dire ennuyer les autres. Donc, le petit garçon criait, pleurait, trépignait et hurlait. Donne-moi des bonbons, donne-moi des joujoux, donne-moi des gâteaux et du roux-doudou. Si son père l'avait entendu, il lui aurait dit d'un ton convaincu, « Moi, je m'en vais te donner un coup de pied au derrière. » Mais il n'y avait que sa mère qui avait autre chose à faire. Elle décrocha le soufflet qui pendait auprès des chenets et le donna au garçonnet. « Tiens, mon coco, tiens, mon poulet, fais joujou avec ce beau jouet. Mais surtout, fiche-moi bien la paix. » Et l'enfant, tout heureux, pour faire comme son père et sa mère, se mit à souffler sur le feu. Ah, que la vie est donc belle lorsque l'on a un soufflet qui fait de jolies étincelles. Et le mignonnet soufflait, soufflait sur les braises enflammées qui donnaient dans la cheminée. Il souffla même à un tel point que soudain, une braise sortit de l'âtre. Et à peine le temps de compter, 2, 3, 4, elle roula jusqu'au rideau et y mit le feu aussitôt. 10 minutes après, toute la maison brûlait, en faisant, ma foi, de jolies étincelles. La mère et son enfant chéri y furent asphyxiés et puis cuits. Ainsi, lorsque l'on veut la paix, c'est souvent bien cher qu'on la paie. Et la moralité de cette histoire, c'est qu'en tout temps, en tout lieu, soufflet n'est pas joué. L'oiseau des îles, d'Alain Page. L'oiseau des îles, vous savez bien, celui des poètes. L'oiseau des îles, disais-je donc, ce matin est venu rutilant, irisé, dans une théorie de plumes multicolores et tout et tout. L'œil tendre. Bonjour, m'a dit l'oiseau des îles. Logiquement, j'aurais dû être heureux de cette visite,
d'être marqué, remarqué, car, vous avouerez, ce n'est pas à tout le monde que se montre l'oiseau des îles, celui des poètes. Il était posé sur ma fenêtre, la tête penchée, et si vous aimez la précision, à droite. « Bonjour !» a répété l'oiseau des îles. Un signe honneur, il avait répété son salut. De toute évidence, devant tant de magnanimité, devenant soudain conscient de ma petitesse, je me devais de rendre à ce volatile sa politesse. C'est fait. Je l'ai bouffé. Alors, Magic Gitoun, je ne l'ai pas vu. Marie-Pierre Fournier. Il y a de la place, là. Isa Maïsbonne. Diane Toutou. Elle est là. Alors, Ed, c'est de la poésie. Et je crois que tu m'as dit que tu étais hors thème. Oui. Merci, Moussa. Hors thème, pour la bonne cause. Oui, pour mon grand-père. Je vais rendre une poésie écrite par moi-même à mon grand-père qui était tirailleur sénégalais. Vous allez entendre parler de Charoy, par exemple. Ne cherchez pas à savoir. Bon, ben, c'est juste un camp militaire situé dans la région d'Akaroise. Et puis, à la fin, comme on a l'habitude de faire chez nous, les grands héros comme mon grand-père, on leur rend hommage en lisant l'arbre généalogique. Je vais faire un wolof, ne cherchez pas dans le dictionnaire. Ça veut justement dire petit-fils d'un tel, fils d'un tel. D'accord? Alors, mon grand-père, ce héros. Djibril est grand, fort, à la peau d'ébène, si bien portant qu'il fut choisi tirailleur sénégalais. Oui, pour sauver l'honneur de la France. Mais malgré la première place qu'il occupait lors des tirs, il s'en est relevé. Non, il ne fait pas partie des tirailleurs enterrés à Charoy. Ces braves gens, morts inutilement pour avoir réclamé leur dû. Oui, mon grand-père, ce héros, est mort de vieillesse, de mort naturelle et sans aucune mutilation. Paix à son âme, que la terre lui soit légère. Ndoy, Mali Maram Ndoy, Moussé Ndoy à Kalassan, les mamelles de Nord reposent en paix. Voilà. L'histoire de temps en temps. Ouais. Je viens de la rappeler quand même. Nora Marcoufi. Voilà. M'a dit j'oserais pas. Elle a pas osé. C'est marrant parce que j'ai l'impression que soit on se débine, c'est vrai, on a peur de la scène, ce qui est normal. C'est un petit peu, moi je dis toujours, c'est un peu prétentieux que d'être ici. C'est-à-dire, je suis là, je suis dominant, je vous écrase, je fais de la poésie. C'est prétentieux. Bon, mais ça a des choses à dire. Ah, la meilleure façon de marcher. Ah. Allez. Alain Tavernier. Alors lui, c'est la deuxième fois qu'il vient. Après son premier succès, il a fait un tabac, il l'a ouvert d'ailleurs. Et là, il revient, je crois, avec toi. Alors lui, de son état, en fait, je crois, il est banquier, je crois. Oui. Il fait croire aux gens qu'ils leur prêtent de l'argent pour acheter des voitures. D'accord. Alors, dans le thème ou hors thème? Je trouve que c'est ce qui est possible dans le thème. Voilà.
Alors, dans le secret, le jour ça me nuise petit à petit. Plus fort. Voilà, plus fort. Oui, parce que comme la technique, elle est en stand-by pour le moment, tout à l'heure, on va faire un tabac. Alors, un peu plus fort. Alors, dans le secret, le jour ça me nuise petit à petit. L'obscurité s'affirme. L'homme, sans bruit, sort de chez lui. Dans la serrure, un léger cliquetis. Ses pas épousent le pavé. Ses semelles crissent à peine, tandis qu'il s'achemine vers son train de banlieue de retour à Paris. Assis sur la banquette, il contemple la nuit. Peu avant l'arrivée, il s'enferme aux toilettes, se rase, se parfume, observe sa mine. Malgré ses traits tirés, il se sent encore vert. Ses cheveux sont épais, sa moustache arrogante. Alors que le roulis ralentit, il vise la lunette d'un air satisfait. Puis écoute chanter, fort et clair, son ménate en une détente poignante. Il a peu de temps pour se rajuster et descend se noyer dans le flot d'une foule harassée. De nouveau enveloppé par l'obscurité, l'homme redevient léger et discret. Le moment est critique. Va-t-il échapper au mari qui traverse de nuit? Est-il déjà sorti? C'est sa frousse, son attrait aussi. Parvenu à l'étage, quelque indice lui indique que la voie est sécure. Les soirs de lune de miel, où elle repeint ses ciels, une clé orpheline occupe la serrure. À cet instant précis, ils feront de leur mieux pour retenir la nuit. Pourquoi elle ne se tourne pas toute seule? Elle n'a pas répété. C'est au conditionnel qu'il brûle la chandelle. Dans un décor satin, il s'abreuve de bon vin et s'émeuve de méfin. Leur palais contenté, ils se dévorent d'essence sous le jour tamisé d'une lampe complice. Dans cette résonance, ils se livrent au supplice d'étirer le temps qui défie leurs élans. Il est rare que l'amour séduise les heures à tel point que celles-ci affranchissent les rêveurs. Soudain, le réveil égratigne l'ouïe fine assoupie. De la veille, il est temps de faire fi de tout ce que l'on s'est dit. Et penser sans tarder à éviter le mari, il est temps de se retourner sur le palier pour un dernier baiser. À la hâte, l'ascenseur est appelé. Vite, il va bientôt rentrer. Pour cette fois, c'est au rez-de-chaussée que l'homme de passage croise l'époux épuisé, qui, tout à son sommeil, esquisse un salut rembruni, alors que dans l'air frais du petit matin, l'homme au visage blême sourit enfin. Alors, il traite de l'argent, mais il fait aussi de la musique. Première partie du Café Bavard, donc une petite pause de quelques minutes, une dizaine de minutes. Et on va reprendre très fort avec la technique qui va assurer et Hazal Belkadi. Et puis, Donc, restez bien en place. On se